Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de mon entraînement pectoraux et en fait plus particulièrement de l'entraînement retour de blessure. Et donc dans cet entraînement, ce qu'on va voir ensemble, c'est surtout comment travailler, en fait, comment je fais pour travailler mes pecs sans reproduire les mouvements qui m'ont conduit à, par le passé, une petite blessure minime, mais quand même une blessure qui alarme en fait, une blessure qui dit waouh, tu fais pas ce qu'il faut. Il faut vraiment que tu recommences un petit peu à revoir ton entraînement. Bon, il y avait d'autres facteurs, la fatigue, etc. peut-être, mais enfin, l'entraînement que je fais aujourd'hui ne tire plus sur cette zone-là, en tout cas pas de manière dangereuse. Et ben, j'avais envie de partager avec vous tout ça pour vraiment réussir à vous proposer quelque chose pour toutes les personnes qui ont une sensibilité à ce niveau-là. Autre chose, ça peut aussi fonctionner pour les personnes qui ont du mal à développer leurs pectoraux parce qu'on va vraiment se concentrer sur le travail des pecs, mais pas chercher à faire des mouvements classiques comme on voit un petit peu partout. Ce programme, en fait, il va plutôt être concentré sur la partie sternale. Alors, je sais qu'il y a un gros débat, on peut développer le milieu des pecs, on ne peut pas, etc. Blablabla. En fait, il n'y a pas vraiment de débat à avoir là-dessus. Il y a juste une organisation au niveau des fibres musculaires, au niveau des couches de fibres musculaires. Pour ça, je vous invite à lire la méthode de Lavier 3 si vous voulez plus d'informations là-dessus. Donc, il n'y a pas trop de débat à avoir là-dessus. Il y a par contre une façon de faire pour travailler cette zone-là. Et donc, on va voir dans cette vidéo comment articuler sa séance pour réussir à développer tout ça. Faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on a eu une blessure, alors là, c'est le but de cette petite vidéo de présentation avant de passer à la formation. Lorsqu'on a eu une blessure, on peut avoir tendance à se reposer, ce qui est une très bonne chose, à faire ce qu'il faut. Moi, par exemple, j'ai fait du kiné, j'ai fait un peu de stretching léger, etc., pour que la cicatrice, entre guillemets, musculaire se fasse correctement. Alors, j'ai pas eu un arrachement, hein, je tiens à le préciser, j'ai pas eu un arrachement tendineux, une rupture. Donc, pour tous ceux qui ont une rupture, c'est autre chose. Moi, c'est juste un petit paquet de fibres qui a lâché, donc du coup, qui cicatrise après, et ça peut faire des cicatrices un petit peu, comment dire, anarchiques. Donc, si on ne fait pas ce qu'il faut, en fait, il va y avoir des paquets de collagène qui vont se former. Ça peut être un petit peu douloureux. Donc, pour tout ça, n'hésitez vraiment pas. C'est le moment. Surtout en France, le kiné, ben, voilà, il faut dire ce qui est, c'est remboursé. Donc, autant en profiter. Et surtout, si vous êtes sportif, et en plus de ça, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes coach. Donc, c'est votre travail, votre physique et votre outil de travail. Parce que même au niveau marketing, donc votre physique, c'est un outil marketing, mais c'est également un outil de travail pour suivre vos élèves, etc. Donc, par rapport à la blessure, ne prenez vraiment pas la chose à la légère et n'attendez pas, après votre période de repos, de reprendre avec les mêmes mouvements. En fait, si vous avez quelque chose qui vous a conduit à la blessure, prenez le maximum comment dire, de choses en fait, qui se sont passées, qui vous ont conduit à la blessure. Prenez tout en compte, essayez d'analyser votre morphologie, etc. Mais on peut voir que même en analysant bien sa morphologie, en comprenant comment on fonctionne, en comprenant ses leviers, etc., ses risques de blessure, il peut y avoir d'autres paramètres comme la raideur, la fatigue, je ne sais pas, peut-être la déshydratation, tout un tas de choses qui font que la blessure, ça peut arriver à tout le monde, même ceux qui font attention. Donc, je m'arrête ici pour cette petite vidéo de présentation. Pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par ce programme d'entraînement des pectoraux un petit peu différent, mais qui reste quand même axé sur le développement global des pectoraux avec un petit accent sur toute la partie, en fait, la partie sternale des pectoraux pour ce fameux creux, en fait, qu'on a entre les deux. Je vous invite à regarder le lien qu'il y a dans la description directement pour accéder à la vidéo complète avec tous les exercices filmés, etc., etc. On démarre maintenant pour ceux qui sont déjà abonnés, sinon pour les autres, c'est le lien ci-dessous.